3, 2, 1, 0. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue au Palais des Congrès, bienvenue pour ce grand show de l'entreprise. Merci surtout à vous d'être venus nombreux, on est plus de 2000 je crois ce soir Thierry. Ouais. C'est exceptionnel et vous savez qu'à Marseille on adore les records, c'est un record pour nous à l'UPE 13. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux forces économiques et aux forces patronales qui ont le courage d'investir, qui ont le courage d'entreprendre, qui prennent beaucoup de risques. C'est durablement, fondamentalement réconcilier les Français avec l'entreprise et avec l'économie de marché. Il faut dialoguer en temps de paix, il faut un accord sur le long terme et il faut restructurer les statuts du port. Oui. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce rapport? Oui, alors vous avez tous constaté, je pense, en écoutant les différents intervenants, que les diagnostics et les enjeux sont globalement partagés par tout le monde. Donc le rapport va être facile. Le problème dans cette histoire du port n'est pas de convaincre les acteurs du port. On l'a vu, on est tout de suite d'accord et très rapidement. Le problème est d'aller vers l'opinion publique pour expliquer, et Laurence Parisot l'a très bien dit, avec pédagogie, quels sont les enjeux. Les enjeux, c'est de la croissance, c'est de savoir si nos enfants, ils vont travailler ici ou ils seront obligés d'aller travailler à Anvers ou à Rotterdam. Enfin, nous devons mener la restructuration des activités portuaires en modifiant les statuts du port pour lui donner sa vraie autonomie. Et aujourd'hui, la France n'a pas su se positionner sur cette question non pas portuaire, mais logistique. Cette question de logistique est une question fondamentale pour la compétitivité de nos entreprises. On a créé un jeu parce qu'il faut être aujourd'hui quand même assez ludique et pédagogique. L'objectif, c'est de valoriser chaque individu et de lui donner toutes ses chances pour trouver un stage. La seule source de richesse de notre pays, ce sont les entreprises. Il faut se battre pour elles, il faut les défendre. Venez avec nous. Je crois que monter un projet sportif, c'est effectivement comme créer une entreprise. C'est entreprendre à plein de niveaux différents. Je croyais que l'ouverture du dimanche, c'était un combat de patron, que c'était un combat de chef d'entreprise. C'est un combat de salarié, vous ne vous trompez pas de combat, vouloir travailler le dimanche? Donc effectivement, c'est un petit peu le monde à l'envers. Aujourd'hui, ce sont les salariés qui portent sur le devant de la scène la défense des ouvertures dominicales. Et les organisations syndicales sont là pour apporter des solutions quand les pouvoirs publics n'en sont pas capables d'apporter des solutions. On passe une soirée ensemble pour débattre d'un certain nombre de sujets, écouter des décideurs, des gens qui peuvent nous aider dans la réflexion. Vraiment, il y a une avancée. Moi, ce qui m'a paru intéressant, c'est naturellement le débat sur le port. Puis je pense qu'à peu près toutes les sociétés se sont reconnues ce soir. J'ai trouvé fraternelle, ouverte. La partie la plus intéressante, c'était de voir ce que pouvaient penser de l'entreprise des gens qui étaient a priori pas fans de l'entreprise. Une démonstration tout à fait singulière, intéressante et encore une fois enthousiasmante. Formidable,